Bonsoir à tous, la nuit est magnifique au-dessus de ce stade et les conditions sont donc parfaites pour jouer au foot. On a hâte que ça commence. Et pour vous faire vivre ce match, la team Dada, ça marche dans tous les sens. Benjamin Da Fonseca avec Omar Da Silva, bref. Et nous sommes donc fidèles au poste pour vous faire vivre ce match dans son intégralité. Rennes contre le Dynamo Kiev. On aime le football, on est en passion. J'ai déjà envie que ça commence. Vamos! Sur la composition du stade rennais. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Jetons un œil sur la composition du Dynamo Kiev. On connaît leur capacité à presser leurs adversaires. Leur pression ressemble à une meute de loups affamés autour du ballon. Mais une meute bien organisée. Oui, bien organisée, parfaitement synchronisée. Quand l'intelligence collective s'exprime parfaitement, c'est magnifique à regarder. Allez, je vous souhaite un excellent match. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Martin Terrier, Melling. Ah non, c'est très mal donné. Amingoué avec le ballon, bien parti dans le dos. Idéal pour lancer ce match, ça promet pour la suite. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. But pour le stade. 1-0 donc au tableau d'affichage. Le numéro 19, Amine Douiri. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. On écarte le jeu pour créer un décalage sur l'aile. Ouais, une bonne charge. Ouais, pas bien joué, mal défendu. Faute. L'arbitre donne le coup franc. Et l'arbitre décide de ne pas l'avertir avec un carton, juste une petite remontrance. Attention, car ce sera sans doute la dernière fois. Le tir, et le ballon est parfaitement maîtrisé sur ce coup franc. Melling. Amine Gouiri. Ouais, la bonne intervention, douche. Merci de votre attention et bon match. Ballon pour Terrier. Ouais, depuis l'aile, il repique dans l'axe. Terrier. Alors là, pour le gardien, même pas besoin d'être un super-héros, c'est cadeau. Oui, si près du but, c'est vraiment pas terrible. Et encore, on est gentil.
c'est un geste venu d'ailleurs. Il est superbe cet arrêt. Et le ballon est finalement intercepté. Ah, l'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. Oui, la frappe. Ah, la frappe est contrée. Et une occasion de contre à négocier. Oh, ça peut aller au but. Oui, bien défendu. Et Rennes peut avancer dans le couloir. Et il peut frapper, là, Terrier. Une belle occasion, mais pas de deuxième but d'avance. Ce match est très loin d'être terminé. Effectivement, il va falloir rapidement plier le match pour éviter les catastrophes. Qui va mettre en place une attaque. Amin Gouiri dans la surface. Repousser ce ballon par le gardien. Attention à ce ballon donné dans la profondeur. Bien anticipé, le ballon est intercepté. La possession est pour le Stade Rennais depuis une quinzaine de minutes, ce qui leur a permis de se procurer pas mal d'occasions. Ils essayent de creuser l'écart pour se mettre à l'abri d'un retour de leur adversaire. Martin Terrier avec Amin Gouiri. Ouais, voilà, c'est une bonne séquence. Pour le gardien, c'est facile à gérer. À bientôt, la mi-temps dans ce match et toujours donc cette avance pour l'équipe locale. On voit des séquences intéressantes, notamment dans la capacité à dominer le ballon. La priorité, c'est de protéger ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Très bon timing sur cette interception. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Et la tête plongeante, Cabezazo, quel but! Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond des filets. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Le numéro 19. La défense est battue. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. Et ça finit par rentrer, malgré la belle parade. Son sens du but, son flair ne pardonne pas.
Il a fait de son mieux, le pauvre, pour cette action. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul. Surtout si les attaquants adverses sont les contre-favorables. C'est sûr que la passivité de la défense, ça n'aide pas non plus. C'est une première mi-temps vraiment spectaculaire. C'est rare de voir une telle maîtrise aussitôt dans le match. La domination est totale. Attaque maîtrisée pour récupérer le ballon. Lovren Maier en seul ballon. Dommage, quelle occasion gâchée avec ce centre bloqué au premier rideau. Bien joué, il efface son vis-à-vis. Ah, c'est bien vu, cette passe par-dessus. La belle reprise, elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action ne donnera rien. Attention, le ballon est offert aux adversaires. Ouais, la parade. Et ce ballon est finalement bien capté. Et heureusement, l'erreur est bien rattrapée avec ce bel arrêt qui vient de remettre un peu d'ordre dans la défense. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Amine Gouiri est très en jambes depuis le début du match. C'est une prestation très aboutie dans son ensemble. Oui, et ses buts, ils viennent récompenser tout son travail de placement, de pression, mais aussi sa mobilité. Il a toutes les options d'un bon attaquant dans ce match. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Gouiri. Ah, il faut s'appliquer sur la passe, c'est perdu. Oui, le ballon sur l'aile avec un peu d'espace. Et ce crochet pour revenir dans l'axe. C'est sauvé par le gardien. Quelle parade! Il peut tenter sa chance. Et le gardien s'illustre bien. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Le corner bien tiré. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Les Rennais qui reprennent ce ballon. Ça sort de limite, c'est une touche. Et voilà, le changement s'effectue. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Bien défendu, sans faute. Les pourcentages de possession penchent du côté rennais et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses, ça permet de déséquilibrer l'adversaire et de mener largement au score. Ah oui, mais regardez, il faut rester vigilant là. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. La contre-attaque. Ah, la faute, elle est grossière et le geste est pas du tout maîtrisé. Attention. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis.
s'écarter. Aucune difficulté par Mandanda là-dessus. Lovro Maier. Ah, c'est pour Guéry. Et oui, le tir. Goal, 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 goal. Et encore un. Et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. Voilà ce qu'on appelle casser des lignes. Cette passe en profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé ! Ah, c'est la punition, 4-0 au tableau d'affichage. Ah, c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Et un bon pressing qui gêne la relance de l'adversaire. Ballon pour retrouver la possession. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Ah, l'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Et l'arbitre indique les 6 mètres. Ouais, changement donc et des deux côtés. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah, il s'est donné en profondeur. Ah non, là c'est un ballon qui est récupéré par la défense. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Et le champ était grand ouvert, mais finalement ce compte ne donne rien. Ballon perdu. Et voilà une bonne intervention. Ça sort en touche. Et le remplacement peut avoir lieu. Pour le remplacer, le numéro 19, Denis Gamache. Ah non, c'est un ballon perdu là-dessus. Très bonne progression, balle au pied. Et attention, ça peut payer là-dessus. Le corner à suivre. Un corner qui est bien ajusté. Ah, le ballon traîne, attention. Grosse occasion, mais la défense parvient à écarter le danger. Ouais, sans commettre de faute, le ballon est récupéré. Ouais, c'est pas très bien défendu, et donc il y a un coup franc pour l'adversaire. Et le joueur s'en sort finalement plutôt bien sur cette faute. La faute vient siffler, mais rien de plus. Même pas un petit carton jaune sur cette action. Ouais, c'est un ballon bien dégagé. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Laurent Bayer en seul ballon. La contre-attaque est très bien menée, mais comme souvent, ça échoue pour pas grand-chose. Tout était bien joué dans cette séquence. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Et le but, ce but en fin de match pour tenter de recoller un petit peu au score. Mais c'est sans doute trop tard pour combler leur retard. Oh,
On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. On récapitule, ça fait donc 4-1. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Bonne progression dans le camp adverse. Ah, le ballon est intercepté in extremis, magnifique. Oui, c'est bien joué, le danger est éloigné. Allez, devant le but, il faut frapper. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Et le staff décide donc de faire un changement. C'est bien parti pour ce corner. Et la défense s'en sort. Et le duel est remporté. Le ballon change donc de camp. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. C'est donc terminé. Le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et ça se finit donc avec une victoire à la maison. Même si ça n'a pas toujours été facile, c'est une victoire toute en autorité. On le voit à l'image et aujourd'hui, le football d'Amine Gouiri, c'est ce qui ressemblait le plus à une œuvre d'art. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie.